Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, comme vous le savez déjà, nous sommes aux États-Unis et ici les choses changent, les choses bougent, rien ne demeure. C'est-à-dire quelque chose qui était possible cette année peut être impossible l'année prochaine. Lorsque vous n'êtes pas informé, vous allez vous cogner la tête. Alors, retenez que à partir de maintenant, c'est-à-dire retenez qu'il y a un jour, c'est-à-dire hier, la Chambre des représentants a fait passer une loi qui disait que celui qui est en étranger et qui a son dossier à l'immigration, qui est sur le point de changer son statut d'immigration, si on le trouve dans la voiture en train de conduire et qu'on détecte de l'alcool sur lui, c'est-à-dire s'il est en DUI, c'est-à-dire lorsqu'on vous trouve en état d'ébriété et que vous êtes au volant de votre voiture, peu importe à quel niveau se trouve votre dossier, vous êtes déjà rapatriable. Ça, c'est la loi que la Chambre des représentants a fait passer hier. Si la police vous arrête et qu'on vous fait passer le test d'ébriété, si on découvre que vous avez pris de l'alcool et que vous avez pris le volant, vous ne pourrez plus jamais changer de statut et vous êtes rapatriable. Alors, je rappelle également que cette loi a été passée, votée dans la Chambre des représentants. Et la loi est déjà en train d'aller au Sénat. Si le Sénat adopte cette loi, ça va rentrer dans le système. Chaque fois qu'on va arrêter un étranger, même si son dossier est à l'immigration, que son dossier est sur la bonne voie, une fois qu'on vous trouve au volant et qu'on apprend que vous êtes en état d'ébriété, que vous êtes sous, vous avez conduit, parce que ceux qui sont en état d'ébriété ici tuent beaucoup de personnes. Ce sont des risques lorsque vous prenez le volant et que vous avez bu. Vous faites des dégâts dans la ville. Et pour éviter cela, c'est un délit grave. Donc, si ce délit est commis par quelqu'un dont le dossier est déjà à l'immigration, ce sera même encore pire. Si votre dossier n'est même pas encore à l'immigration, vous êtes automatiquement rapatriable. Et comme je vous l'ai dit, les choses changent. Ce qui est possible cette année peut ne pas être possible l'année prochaine. Les choses changent lorsque un nouveau président arrive à la tête de l'État. Certaines lois rentrent en vigueur, d'autres disparaissent. Donc faites très attention. Lorsque vous êtes étranger et que vous n'avez pas encore même si vous êtes résident permanent, quand vous n'avez même pas encore la nationalité, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes à l'abri. Et même ceux qui sont déjà américains ne sont pas à l'abri parce que tout dépend des délits. Si vous commettez un délit très très grave, on peut vous enlever votre nationalité. Ça, c'est possible. Donc, lorsque vous connaissez votre situation, vous êtes censé marcher comme si vous étiez sur les œufs. Faites très très attention. Tu ne peux pas venir ici, c'est toi qui n'as pas de papier, c'est toi qui te permets d'aller en boîte de nuit et de prendre le volant. Parce que tu conduisais chez toi au pays, tu vas te dire, de toute façon, je sais conduire, j'ai toujours conduit en état d'ébriété dans mon pays, donc c'est pas ici que ça ne va pas fonctionner. Non. Non. Tu connais ta situation, il faut savoir éviter les problèmes. On ne tente pas la tentation. C'était le général.